Avant de faire des danses de Noël, j'ai encore quelques danses à proposer. Donc, ce soir, je vais faire une très jolie danse. C'est une danse que j'ai beaucoup aimée. J'en aime beaucoup, mais celle-là aussi, particulièrement. Ça s'appelle I Turn to You. Sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de groupes ou de personnes qui ont fait cette danse. Donc, je serai probablement le deuxième ou le troisième. Il y a celle qui l'a créée. Il y a aussi le groupe de Ciné Padoue. Donc, cette jeune femme très artistique pour les danses est certainement mon modèle pour le côté artistique des danses de ligne. Donc, j'ai regardé comment elle faisait cette danse-là et je l'ai copiée, il faut le dire. Alors, donc, je suis un peu moins souple, mais quand même. Alors donc, on va regarder I Turn to You avec la musique. Et 3, 4, 5,
6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et on repart. 1, 2 et 3, 4 et 5, etc. Donc, 4 murs qui tournent anti-horaire. Il y a un restart. Je vais vérifier à quel mur. Je me fie à la chanson. À ce moment-là, la chanteuse s'arrête et il y a seulement de la musique, mais je me souviens plus quel mur. Je vais vérifier. Alors, le restart. Comme je fonctionne avec la chanson, et je me fie surtout sur le chant pour les points de repère, alors je ne me souvenais pas que c'était le sixième mur. Donc le restart se fait à 16 comptes du sixième mur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est ici, en aval, et on compte 16 comptes. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, et 8.